Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 9 octobre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant d'aborder le quintée du jour, revenons sur celui de la veille qui se disputait ce mercredi du côté d'Enghien-Soisy. Devise du Vivier, compliqué mais doué, le numéro 2, surprend son monde en se montrant intraitable dans la phase finale. Top Prono et Turf Sélection indiquent tiercé des ordres de 118 euros, quarté de 114 euros, ainsi que le quintet plus, ce dernier faisant tout de même un peu plus de 200 euros. Nos amis du concours de pronos gratuits ne sont pas en reste avec une fabuleuse performance de Skeletter qui donne quintet plus accompagné des bonnes bases gagnantes et placées et marque l'important score de 1272,50 points. Plus loin, Stan 001 et Payot 57 complètent le podium du jour avec d'honorables performances. Bravo à tous les trois. Allez, rendons-nous maintenant sur le fameux plateau de Gravel du côté de Paris-Vincennes. En ce vendredi 9 octobre 2020, donc, veille d'un très joli week-end de course, le site de la région parisienne propose son prix ERA. Ce quintet plus s'adresse à des trotteurs d'âge français de qualité. Parmi les 16 concurrents au départ, 5 devront parcourir 25 mètres de plus, à savoir 2875 mètres de la petite piste au total. Une fois encore, l'épreuve sera sans concession et il pourrait y avoir quelques surprises concernant l'ordre d'arrivée. Diego Ducanter, le numéro 1, est un cheval que nous suivons depuis le début de sa carrière. Passé récemment dans les boxes d'Antoine Marion, il s'entend parfaitement avec Mathieu Abrivard. Bien qu'étant le moins riche, déféré des postérieurs, nous le pensons susceptible d'afficher une jolie cote à la gagne. Canular, le numéro 15, est un élève de Didier Broyer qui trouve un très bel engagement ici. Certes, il doit rendre la distance de 25 mètres sur la petite piste, mais avec l'aide d'un Johan Le Bourgeois en très grande forme actuellement, il peut réaliser l'exploit. 12h du Chêne, le numéro 16, est la plus riche du lot. Performante déférée des 4 pieds et cherchant sa course avec application, elle vise logiquement le succès. Droit d'auteur, le numéro 7, n'est pas confié à Eric Raffin par la famille Dubois, sans raison. Dans l'endo du Vivier, le numéro 2, qui reste sur 2 victoires provinciales, s'attaque à Paris avec de hautes ambitions. Darwin Star, le numéro 6, qui partira avec la grande confiance d'un Dominique Locneux en grande forme, visera lui aussi une place dans les 5. En cas de non partant, Déco de Tilou, le numéro 9, présenté par la famille Martens, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle vidéo.